Bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est chez Orchestra, c'est pas une collaboration. Et. Mais oh, vous respectez mon introduction de vidéo. Attends, je suis trop moche. Salut. Et on était venu pour voir un petit peu et au final, on fait la liste de naissance. Donc, du coup, j'ai décidé de vous filmer ça. Jade, t'es contente? Je fais du contenu. Pas tout seul. Elle est bizarre. Il y a Jade qui regarde après. Là, on va faire le tour du magasin et regardez, on a déjà choisi la chambre. Du coup, on a. T'es con, toi hein? Bah, pas du tout. Pourquoi? Pas du tout. On a choisi celle-ci avec ça. C'est trop beau. J'adore. Non, mais c'est trop beau hein, en noyer comme ça. Ouais. Est-ce que t'es content qu'on va passer 2 heures à choisir des trucs? Ah, hyper content. Ouais, je t'ai dit, hein, toi, hein. T'as voulu t'aventurer là-dedans. La dame, elle a dit, quand vous voulez faire la liste de naissance, vous venez, on prend 2 heures de temps. Bon, elle a dit, on peut le faire maintenant, parce que comme ça, c'est fait. Ouais, j'avais pas envie de revenir encore. C'est bien, tu vois, on va avoir plein de ouais, on va se régaler. Il me fait la misère depuis ce matin. Les babyphones. Alors, au niveau des babyphones, si j'ai bien compris, vous en voulez un avec la vidéo. Ah oui. Est-ce que vous en voulez un uniquement avec la tablette ou un sur téléphone aussi? Téléphone. Partout où vous serez, du moment où vous êtes connecté à un. Mais ça, il n'y a pas les pédophiles qui peuvent se connecter dessus de, mais ils c'est vont vrai, les pirates, vrai. Hein, c'est ça. Hein, c'est... Je te le dis, tes pirates, ils rentrent sur ton truc. Mais où? Je sais pas. La caméra, c'est tout. Ils piratent la caméra, ils regardent ton bébé dormir. Mais là, en partant de ce principe, on prend pas de caméra et tu te lèves pour aller voir s'il va bien. Après, vous avez la caméra gérée basique en ondes radio, tout simplement. Je sais pas. C'était non. Quoi l'autre sinon? La caméra est directionnelle, c'est-à-dire que vous allez pouvoir jouer avec les flèches. Ça, là, le petit appareil là, on le pose sur la. Ça, vous regardez avec vous à la maison. Ok, moi, je préférais ça. En plus, c'est le plus belle. Et vous l'avez en une autre couleur? Non, je l'ai qu'en couleur mine, comme ça, Amanda. Ah, c'est ouais, Amanda, c'est bien. Avec le noyer, ça va faire beau. Oui, ça fait beau. Joli, cette couleur. Non, mais avec le beige et tout. Ok. Ok. Et il y a le truc pour le bruit là? Pour entendre bébé. Oui, c'est tout est à l'intérieur. Okay. C'est incroyable. Okay. Non, c'est vraiment ça, c'est un super. Okay. Veilleuse. Tout ce qui est projection, est-ce que vous avez? C'est quoi projection? Projection, par exemple, c'est tout ce que vous allez avoir exactement. Les Frankie Turtle qui sont géniales. En fait, ça va projeter dans toute la chambre le mouvement des vagues. En blanche, alliée la baleine? Oui, je l'ai en blanche. Je vais essayer de la montrer. Ah oui, on prend la baleine en blanc. Une baleine? Bah oui. Je sais pas, il y a que des ours et tu vas mettre une baleine. Mais Paul-André, il n'y aura pas que des ours, j'ai pris un petit dinosaure et tout. Ouais. Tu voulais un ours? Il y a le nounours qui... Non, mais on a le Mouni déjà. Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas convaincu par la baleine? Moi non. Pourquoi? J'aime pas trop ce côté plastique. Ouais, hein. Mais si, c'est joli. Non, mais il va faire beau cette couleur là ensemble. Et au pire, on le cache. Tu veux la tortue toi? Moi, je prends la tortue. Ok, bah allez, la tortue. On part sur la tortue. Allez, c'est parti. C'est rajouté. Au niveau décoration de la chambre, je vais pouvoir aussi vous proposer. Et en fait, qu'au dodo, le truc, c'est que j'ai un petit bulldog qui dort avec moi tout le temps. Et que j'ai préféré, je pense, avoir un berceau dans la chambre. C'est ça, complètement, oui. Parce que j'ai pas envie qu'elle aille dans la nuit, ça sort dessus, si jamais c'est elle a sûr, des envies meurtrières. Non, c'est sûr. Non, c'est bon, oui. Il va avoir un panier. C'est le sang qui lui prend la chambre. On a préparé un panier pour enfants. Non, ça, c'est bon, ouais. Au niveau du... Alors, au niveau de la biberonnerie. Ah, mais biberon aussi, on m'offre... Ah, ben, celle-là. Ils sont géniaux. Il y a déjà 2 ans, j'ai une amie qui a un magasin comme ça. Ouais. Elle les vendait. Je disais, je voudrais ces biberons un jour si je suis enceinte. Ouais. Et ils m'ont contacté pour me les offrir. Il en faut d'autres ou quoi? Bah, ils m'en offrent plein, mais après, voilà, regardez combien vous en avez. Voilà, parce que les premiers temps, c'est. Il faut en prendre combien? Ça peut coûter 2h30, 3h. C'est bien d'avoir un stock. Stérilisateur, tout ça. C'est qui m'a offert? Breda, c'est nickel. C'est génial. Ils vous ont gâté, c'est tant mieux, c'est génial. Au niveau des petites pépettes. Ah, j'ai acheté celle-là. Ouais. Donc pour la maternité, déjà, vous les avez. T'en veux une, Paul-André, pour toi? Ouais. Non, je vérifie. Pourquoi tu vérifies le design? Tu peux. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Félicitations au papa aussi. C'est quoi? Mais c'est en fer. Ça partira maintenant. Voilà. Au début, ça sera vraiment les petites. J'adore, moi je mange dedans. C'est très remarquable pour la bouche. Ça, vous allez voir, en fait, c'est à partir de 4 mois. Tout simplement, elles ne sont pas très profondes, okay. Pas très creuses, je dirais, pour la petite bouche. Cette couleur alors. Allez, hop.
Ça et du coup dans l'autre marque parce que ça c'était trop mignon là-bas. T'es bien en jade. T'as vu? Ouais. Un peu pareil moi jade. Ça c'est mignon mon amour, t'as vu? On lui prend en rose comme ça. Quoi? Rigole. On avait là aussi bleu, ah oui, regarde comme c'est beau ça. Le bol il est ventousable. Ah ben voilà, celui-là c'est très beau. Avec le petit truc là, trop mignon. Avec celui-là, il est trop beau. Ouais, elle va tout acheter. Hein. Celui-là aussi, alors, trop beau. Ben on m'a dit de mettre, alors je mets, hein, voilà. Écoutez, on ne l'arrête plus. Ben voilà, faut pas me chauffer. Hein. Et les bavoirs, t'as pris ça? Ah, ça c'est trop alors, mignon. Ça on va rajouter. Et après, au niveau des capes de bain, vous m'avez dit que vous en avez déjà deux. Ouais. Rien qu'à la maternité, généralement, ils en demandent trois. Ok. Le petit roux là. Le petit renard. Ouais, très bien ça. On lui prend un panda. Tu veux le panda? Non? Oui, sûr. Panji Panda. Allez, c'est parti. Tu veux la petite grenouille? Non. Ok. Ah oui, les langes, j'en ai quelques-uns, mais on va en reprendre. Mais ça, il t'en faut. Ouais. D'ailleurs. Le lange, ça sert à rien. Ça fait un peu. Prends pas tous les mêmes. Ceux-là, ils sont mignons avec les petits bateaux. Là, il y a des hérissons dessus. Ah ouais, celui-là, il est beau. Ça, c'est pour les mettre dans le bain quand tu les mets trop gentiment. Tu le prends au bar pour le changer, tu mets ça en dessous. Non, mais c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai, tu mets ça. Bah oui. Oh, regarde comme c'est trop mignon. Il y a toute une trousse. C'est trop mignon, mais quand tu vas devoir aspirer là-dedans, je t'appelle moi la belle. C'est ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Mais vous allez voir, vous allez le faire. Ça sera... vous allez pour aller, c'est dégueulasse. La première fois, tu crois que ça passe dans ta gorge. Mais non, mais ça passe pas dans ta gorge. Ouais, ça va à côté, c'est dégueulasse. Ah ouais? Ah mais il faut que j'aspire pour que ça me vienne dans la bouche. Non. Oui. Non. Ça suffit. T'as un autre côté. Non. Après vous allez voir, c'est vraiment les premiers temps parce que rapidement après vous allez pouvoir utiliser les seringues. Après mouche bébé, si vous en voulez un électrique, honnêtement le seul qui va vraiment fonctionner, qui est puissant, ça sera le Nosy. Oula. Et on lui met ça dans le nez? Alors non, pas le Nosy. Tuyau. Des naseaux. C'est une marine. C'est un cheval là. Bon, bah, on va en prendre un comme ça. Et non, ça, c'est... non, prends le normal, tu le fais toi. Mais je prends les deux. Mais il y aura quand même le normal dans la trousse. Et ça, c'est pratique, non? Alors, ça, c'est le thermoflash. Après, moi, je suis de ceux qui disent qu'il n'y a rien de plus fiable que le rectal. Ouais, bon, on va prendre les deux quand même. Après, celui-ci, il est bien, par exemple, si vous avez un doute qu'il est en train de dormir, que vous ne voulez pas le déranger, le couper du sommeil. Oui, et puis si je vois qu'il y a un peu de fièvre avec ça, je prends avec le rectal après. Tac, tac, moi, je vais le faire. Tu l'as pas? Par jour, si, moi, je le veux pour moi. Et la meilleure trousse? Alors moi, celle que j'aime beaucoup, ça va être la Baby Move, parce que c'est la seule qui va avoir la petite brosse en bois. Ah! Alors dedans, vous avez tout à l'intérieur. Vous allez avoir le ciseau, le coupon, la lime, le mouche bébé aspiration buccale. Et oui, mais tu peux le coiffer. Le thermomètre bon, ben voilà, elle est complète. Très bien. Bah, au final, il y a plein de trucs sur notre liste de naissance. On ne dirait pas comme ça, mais on a besoin de pas mal de choses. Pas mal de choses, ça coûte cher hein, de faire un bébé, hein. Imaginez. Ils prennent beaucoup de place aussi. Ah ouais? Les jouets là, il en faut un peu ou pas? Un peu quand même. Oh, eh oui, à Sophie la girafe et tout. C'est trop mignon! Regarde la tête! Trop mignon! Il fait des passoires! André, t'as trop moche! Il fait des pattes et il prend des passoires. Allez. Et là, c'est quoi? Alors, ça, je sais pas. Je sais pas, ouais. Garçon. Oh, c'est quand vous ouvrez la couche, vous lui posez sur le petit zizino. Ah, j'en veux. Volandré, on a des cache-pipi. Des cache-pipi, Volandré. Tout sur le chapeau. C'est le petit chapeau. Tu te mets sur le tien. C'est capote. Donc la poussette, on a dit que c'était bon. Que c'était tout, ouais. Siège auto, censément aussi. Oui. Alors je vais vous la montrer tout à l'heure, je vais aller vous la chercher. Vous avez la petite ligoteuse en 50 cm, c'est la 0,3 mois. Vous l'avez en blanche poubelle, vous l'avez en mousse. Oh, ça fait trop mignon. Ça va, Paul-André? Oh, voilà. Voilà, Et la flèche, je vais vous la rajouter manuellement. C'est quoi la flèche? Le truc blanc là pour la mettre. Ça va quoi? C'est trop joli. On voit que je connais la tête. Protégée. Ouais, ben, une comme ça. Allez, allez, on va partir sur laquelle, la tresse. Laquelle tu as fait? La tressée comme ça. Alors, ça te va? Je vais la flèche, la tresse. Ouais. Mon amour, on va avoir une super chambre. Ouais. Pour qui? Poulpi. Madame qui a un prénom, on pourrait le dire. Non, non, il a pas. Ça, on pourrait le dire. Pourquoi tu le dis pas? Il n'y en a pas de prénom. Il y en a. Oh, t'as vu? Tu le veux pour toi, Paul André? Si vous l'avez en grand. Je vais essayer, mais bon, au niveau motorisation, je suis pas sûre que ça suive. Ça veut dire que tu...
est bien Paul-André. Il va glisser avec ça. Non, mais c'est pour qu'il s'amuse. Mais non, mais il marche pas quand tu mets ça. C'est pour qu'il s'amuse. Oh non, je suis né, je marchais. Je marchais, je voulais savoir les temps. Lui, il est trop mignon. Lui, il existe en 60 cm, il est magnifique. Ah ouais, c'est quoi 60 cm? C'est ma taille? C'est presque. Lui, en 60 cm, je veux bien. Tu vas le mettre où? Un peu à côté de lui. Allez, je vais le rajouter alors. Ça, t'es contente? Ouais. Okay. Oui, dans le sac, les coquillages, oui, j'avais vu ça. C'est des vrais coquillages que tu mets sur les tétons. Vous avez la Suavinex qui est super. C'est ouais. Et le truc d'allaitement, vu que je sais pas encore. Mais tu y penses vraiment à faire ça ou pas? À faire à l'allaitement? Ouais. Et ouais, je pense que c'est bien. Je sais pas, j'ai l'impression que tu vas jamais faire ça. Après, vous pouvez déjà donner ce qu'on appelle la tétée de bienvenue. Oui, ça oui. Mais en fait, moi je trouve que c'est bien. Je trouvais ça nul avant, je trouve que ça n'avait aucun intérêt. Et apparemment, vraiment, le lait maternel est meilleur, genre. Et moi, je me vois pas lui donner au sein, parce que du coup, tu pourras pas faire... En plus, apparemment, ils prennent ça un peu pour un doudou, genre, ils sont chiants. Après, vous êtes le doudou. Voilà. Rapidement. Après, il pleure, il faut le mettre au sein, parce que c'est un doudou. C'est bon, ça me saoule. Je me vois bien tirer le lait, le mettre, le conserver, et qu'on puisse faire des biberons avec le lait. Comme ça, il a de bons apports, mais il est vraiment autonome. Il n'y a pas de... Tu pleures, je te donne le sein, tu vois. Parce que moi, je veux lui donner le meilleur pour lui, mais j'ai pas envie qu'il me prenne pour un doudou et qu'il soit capricieux ça à pleurer. Il va allaiter pendant la semaine. Il a de bon. Ça, c'est bien ou pas? De toute façon, conserver. Ça, il faut que tu décides avant ça, voilà. Si tu vas allaiter ou pas. Oui, c'est vrai que j'ai pas tout acheté pour l'allaitement alors que j'allaite pas. Quoi. Après, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais les habits, il faut acheter des habits là. Des habits au moins pour Fainé qu'il a de quoi s'habiller, non? Viens voir, il pleure. Oh, comment ça va? Allez, j'ai compris. Il est ça. Bon, ça y est, on a fini notre liste de naissance. On s'est arrêté pour manger un petit bout. Du coup, là, on va à la maternité s'inscrire. Je sais pas comment ça se passe. Et après, on va dans un autre magasin pour une autre liste de naissance. Voilà, vous suivez notre journée aujourd'hui. On vient d'arriver dans notre deuxième endroit. Il y a l'air d'avoir plein de trucs. Ah, j'aimerais bien cet ensemble. Avec le crocodile. Tu veux cet ensemble là avec le bavoir et le set de table comme ça? Allez. Quoi, c'est la jungle? Ouais. Je mets plutôt celui-ci alors. Mais les deux. Les deux, ok. Mais le croco, il y a la. Il y a la petite. Il n'y a pas le bavoir? Ah, vous avez le bavoir du croco? Tu m'entends? Ah ouais, justement. Bah, c'est pas grave le set quand même. Mais moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'on n'a pas. Il faut qu'on aille acheter. Oh, c'est joli ça, c'est quoi? Alors là, en fait, c'est pour mettre les lettres de l'alphabet. Donc, vous pouvez écrire son prénom, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous le posez dans la chambre. Son prénom qu'on ne connaît pas. Marron le prénom qu'on ne sait pas. Ah, mais c'est la chambre, elle est plutôt marron et vert d'eau. Dommage, ok. On aurait pu écrire le prénom qu'on ne connaît pas. Non. Ok, donc ça, c'est bon. Ok, après. Pensez juste à une chose. Et ça, c'est quoi? C'est des trousses pour moi? Pour lui, normalement. Ah ouais? Oui. Qu'est-ce que tu veux, toi? Mais c'est pour mettre dans le truc allongé. Oui, tout. C'est ça que je disais. Préparer sa petite affaire, en fait, sa petite trousse avec tous ses produits, les liniments, enfin, toutes les affaires qu'il faut pour la maternité. Et vous accouchez où, du coup? Bastia. D'accord. Après, voilà, tout ce qui est petite veilleuse aussi. Pour celle-là, elle est belle, non? Pour la maternité. Ouais. Elle est trop mignonne, celle-là. Un petit croco, allez. Un petit croco. Parce que celui-là, elle t'a pas plu, celle-là? Non. Ah, il est trop mignon celui-là, je le veux bien. Oh, le lapin. Le monster et le lapin. Et nous, on n'a pas un landau. Si, t'as les trois. Les landos, on a landau, poussette et quoi alors? Poussette et version. Pour l'avion, le truc pour le. Non, mais. Et la nacelle, t'as ça, la coque et comme t'as vu tout à l'heure. Mmh. Ah, si. Ouais. Là, vous avez ah, tu peux juste prendre deux autres trucs. Wow. Et nous, on a quoi dans notre arche? Ben, c'est trois trucs moches. Des petites billes en fait en bois, il me semble. Oui, voilà. C'est pas très coloré. C'est plutôt très... classique en fait. Ça, c'est mignon ça. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Ben, on prend les véhicules. Allez, les véhicules. Oh, regarde ça. Ah, c'est Maison la Biche, c'est ce que t'aimes bien mettre. Oh, mais regarde avec le petit bonnet et tout. Moi, je pourrais trop mettre les mêmes en plus. Ah, ouais, non, alors ça, j'aimerais bien. On a fallu prendre un ensemble en étonge comme moi. Regarde, ben ouais, regarde. Des petits pyjamas, vous en avez déjà ou pas? Non. Pyjamas, en fait, à la maternité, ce que vous allez mettre, c'est vraiment tout ça. C'est que des petits piges comme ça. Ah, mais ça aussi, c'est beau. Je peux voir en fait. Il est en crème comme ça. Je vous mets en entrée. Vous verrez, honnêtement, il est très bien.
expliquer, tu fais volonté. Volonté. N'importe quoi. Ouais, il est bien, non? Et moi j'adore la voiture là. La voiture verte comme ça. Pour la déco dans la chambre, c'est pas stylé. Il faut essayer de la guitare. Tu la trouves pas belle? Ouais, génial. Pour la déco dans la chambre, tu trouves pas ça beau? Oui. Je voudrais bien la voiture s'il vous plaît. Tu sais qu'il faut aussi qu'on puisse marcher dans la chambre. Hein. Non mais ça fait stylé parce qu'en fait avec. Mais il va rouler lui après avec ça. Hein? Il peut monter dessus? Oui. Ah c'est un jouet pour lui après. Ah oui. Tu vas te déplacer en fait. Très bien. Ah il y a le lapin. Il faut pas des bodys peut-être. Tu sais des trucs simples comme des bodys on en a pas parfois. Mais ça on va recevoir toute la précollection donc ça. Ah c'est pas. Ouais. Parce que là les pyjamas il faut les mettre. La pyjama il faudra mettre en dessous un petit body mais ça on le mettra quand on recevra la nouvelle collection. Et là c'est juste que en fait moi l'île de l'essence vu qu'on va. C'est un petit mais c'est du bois. Tu vois ce que je veux dire. C'est mieux qu'un iPhone du moins. C'est tactile, mais c'est du bois, c'est bizarre de faire ça, non? C'est bien fait. C'est stupéfait, Paul André, par Gilbert. On va avoir un créneau. Ok, différents motifs. Les belles après, carré. Pourquoi elle a pas encore câblé. Quand je vais rentrer du boulot, je vais avoir la tête comme ça avec les boulots. Bon, bah c'est bon, allez.